Salut à tous, c'est Molonel pour Mobi.gg et on se retrouve aujourd'hui pour le top 16 des meilleurs jeux hors connexion sur mobile sortis sur Android et iOS. Je vous ai sélectionné des grands classiques mais aussi des pépites indées à ne pas laisser passer. Comme pour tous nos tops, il y a bien sûr d'autres jeux de qualité dans la catégorie hors connexion, alors n'hésitez pas à me partager vos meilleures découvertes en commentaire. Installez-vous confortablement, likez la vidéo pour nous soutenir et suivez-nous sur Instagram où on vous tient au courant tous les jours de l'actualité jeux mobile. Le lien est en bas de la description et je vous souhaite une bonne vidéo. On débute ce top avec un jeu qui a su s'imposer parmi les RPG les plus classiques sur mobile. Découvrez un monde d'aventure en pixel art procédural en vue du dessus avec les différentes zones de Geodia. Explorez cet univers coloré où l'industrie minière a modifié la surface de la Terre. En tant qu'héros, vous apprenez à maîtriser l'énergie du Sparklight pour guider vos combats et votre style de jeu. Concentrez vos forces sur la construction d'un refuge pour les autres personnages, venez à bout d'énigmes et d'adversaires toujours plus coriaces et n'oubliez pas d'améliorer votre personnage dans ce RPG solo ultra complet qui profite en plus d'une bande son rétro et d'un bon support manette. Sparklight est disponible sur Android et iOS gratuitement jusqu'au premier titan, puis il se débloque avec un achat complet au prix de 7€. Par contre, vous pouvez aussi tester ce jeu premium sans aucun achat supplémentaire grâce au Google Play Pass pour les addicts aux jeux mobiles de qualité. En 15ème position, on retrouve Isle of Arrows. Ce Tower Defense Premium et hors connexion propose un gameplay audacieux. Vous commencez avec un unique cristal à défendre face à des vagues d'ennemis, mais tout se complique très vite. Les cristaux s'accumulent et les choix de pièges ou de chemin pour ralentir et tuer vos adversaires deviennent déchirants. Pourtant, il ne tient qu'à vous d'organiser correctement votre défense pour empêcher les ennemis de vous atteindre. Installez des pièges de poison, de glace, de feu et tout un tas d'outils dissuasifs sur le chemin de votre cristal. En plus de placer stratégiquement vos bâtiments entre chaque round, vous devrez modeler le terrain pour créer de la place et rallonger la course de vos opposants. Ce jeu est un pur condensé de challenge pour les fans de stratégie et c'est un coup de cœur de l'équipe Mobi.gg. Enfin, choisissez parmi différentes classes pour varier les styles de jeu et les défis tout en apprenant à gérer votre économie au fil des parties. Disponible au prix de 6,99€, Isle of Arrows saura susciter votre intérêt en permanence grâce aux défis quotidiens et à sa grosse rejouabilité qui lui permet de proposer une expérience stratégique renouvelable à l'infini. Et si vous aimez beaucoup le Tower Defense ou que vous avez un abonnement Netflix sous la main, je vous recommande fortement Bloons TD6. C'est un opus vraiment solide d'une licence incontournable en stratégie. En numéro 14, attention aux monstres avec des têtes de haricots. Dans Alien Isolation, vous jouez 15 ans après la disparition d'Ellen Ripley et sa fille Amanda veut découvrir ce qu'il s'est passé sur la station Sébastopol. Sur place, vous croisez une horreur étrange, la fameuse créature d'Alien. Comme à la base vous veniez simplement enquêter, vous n'avez pas tout un arsenal à votre disposition. À la place, vous devrez créer vos propres armes à partir de composants que vous récoltez à l'intérieur même du vaisseau. Survival horror par excellence, Alien Isolation est un incontournable de sa catégorie. C'est une réussite graphique à tous les points avec l'ambiance alien sans compromis et une expérience digne des films. Dans ce format mobile, suivez le plan du vaisseau et les différents objectifs, explorez les couloirs et échappez à la créature alien par tous les moyens en vous cachant. L'interface est personnalisable suivant votre taille d'écran et le jeu tourne aussi à la manette. Si vous avez le budget, Alien Isolation est disponible à 11€ sur Android et iOS avec ses 7 DLC inclus en français et nécessitera 11Go d'espace libre sur votre téléphone pour faire un peu de place à vos pires cauchemars. Je fais une courte pause dans ce top de jeux mobiles pour vous demander de vous abonner à la chaîne si notre contenu vous plaît. Vous êtes parfois nombreux à regarder nos vidéos chaque semaine sans nous suivre et votre soutien compte énormément pour nous, alors pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne passer à côté d'aucune de nos vidéos. Merci d'avance à tous ceux qui le feront et on passe tout de suite au prochain jeu de ce top. Ensuite, avec le 13ème jeu de ce top, on arrive dans le monde de chats et de dessins ultra rapide de Divineco. Ce jeu free-to-play surprenant va forcément vous embarquer dans son univers. Minimaliste et profitant d'une super bande son, ce titre saura remplacer les jeux qui pulsent leur son comme Geometry Dash. Avec votre doigt, dessinez des formes de plus en plus compliquées pour abattre des ennemis explosifs, rapides, volants ou même empoisonnés. Ce n'est pas toujours facile, mais en utilisant les pouvoirs et en vous entraînant, vous allez adorer vos sessions d'une dizaine de minutes sur Divineco et tout ça sans dépenser un seul euro. Le chat ninja a besoin de place sur votre téléphone. Et dans le même style des jeux à réflexe, je peux vous recommander deux autres classiques. Tout d'abord Geometry Dash pour ceux qui peuvent débourser un peu d'argent et sa version light pour les amateurs de free to play, mais après je pense pas vraiment avoir besoin de vous le présenter en détail tellement il est connu. Et en autre classique du skill, sorti plus récemment, on a Rotoforce et ses graphismes rétro. Pour 5€, vous aurez un Bullet Hell original avec une bande son immersive et une bonne dose de challenge.
En 12ème position, le jeu d'action-aventure Unruly Heroes impose son style de dés inoubliable. En vue de côté, cette épopée s'inspire du roman des pérégrinations vers l'ouest. Avec le soutien de 4 héros, vous devrez reconstituer le parchemin sacré et vaincre toutes les créatures immondes qui profitent du chaos actuel. Incarnez Senzeng, Wukong, Kyong et Sandmonk et switchez entre leurs compétences pour dominer les phases de combat. Le jeu varie entre différents styles, de l'action au combat, en passant par le puzzle et le platforming avec un lore complet tout droit venu d'Asie. Entre action, combat, plateforme, aventure et énigme, Unruly Heroes propose un gameplay varié et un challenge progressif dans une réalisation de dés somptueuse. Vous allez vous amuser pendant plusieurs heures avec les éléments bonus à récolter et le mode photo. Honnêtement, pour seulement 2€, c'est carrément une affaire. À la 11ème place de ce top, on retrouve le remplaçant en puzzle game du jeu Doors Origin, j'ai nommé Boxy's Lost Fragments. Vous y jouez un voleur renommé qui doit maintenant entrer dans un petit palace et dérober toutes ses richesses. Mais la tâche ne va pas être facile puisque les trésors sont bien gardés et des mécanismes complexes vous attendent sur place. Après tout, c'est normal, c'est un puzzle game. Alors forcément, il y a des énigmes, des petits détails à découvrir et il va falloir se creuser les méninges pour réussir à progresser. Mais sous les apparences, les choses sont peut-être bien plus dangereuses que vous ne le croyez. La quête du trésor pourrait vite se transformer en jeu d'évasion. Enquêtez tout en volant pour lever le voile sur le secret du manoir. Chaque niveau se compose de mécanismes imbriqués qui vous rappelleront The House of Da Vinci si vous connaissez un peu cette licence. Tout est à une échelle miniature et se plie et se déplie comme une maison de poupées complexe. Jouez gratuitement aux 10 premiers niveaux et déverrouillez le reste du jeu en déboursant 8€ sur Android et iOS. Pour le 10ème jeu de ce top hors connexion, je vous propose de redécouvrir Once Upon a Tower. C'est le contre-pied des contes de fées traditionnels. La princesse attend d'être sauvée dans son château, le héros arrive pour la délivrer, sauf qu'au lieu de réussir, il se fait dévorer. Et du coup, il ne reste plus que son marteau de combat. Et la princesse, aussi courageuse soit-elle, va décider de le manier avec violence pour se sortir elle-même de sa prison. Le dragon menace tout ce qui bouge dans le donjon. Mais dans ce conte plein de female empowerment, vous pouvez compter sur vos compétences guerrières pour briser vos chaînes et échapper au barbecue géant. Once Upon a Tower est gratuit et il n'attend plus que vous pour bousculer l'ordre établi. Aussi bon en solo qu'en co-op, le jeu de Concerned AP se glisse en 9ème position. Vous avez des dizaines d'heures à flamber, et bien foncez tester Stardew Valley. Simulateur de vie agricole au visuel rétro, il vous propose de vous occuper d'animaux, de champs, mais aussi de partir pêcher, explorer les environs ou nouer des relations avec des PNJ. C'est chill et ça vous permet de développer tranquillement votre petit espace virtuel à votre rythme. Si vous l'avez déjà testé sur téléphone, vous savez que le multijoueur n'est pas disponible sur Android et iOS. Mais la bonne nouvelle, c'est que votre petit coin de paradis peut quand même se partager, il suffit d'utiliser le mode dédié. Le jeu intègre des composantes RPG et un système de gestion qui en font un titre complet avec une bonne durée de vie. Et nous voilà déjà au 8ème jeu de sa catégorie. Cardsy fait de vous un voleur de cartes, il n'y a que le butin qui compte et tous les coups fourrés sont à votre disposition. Avancez vos cartes sur le terrain, dissimulez-vous et achetez-vous de l'équipement pour votre nouvelle opération furtive. Éteignez les torches pour ne pas vous faire repérer et planquez-vous bien. Testez vos compétences de fourbe dans 4 braquages qui durent seulement quelques minutes chacun avec des défis différents. Le jeu progresse comme un solitaire et un RPG mélangé et le cocktail est plutôt réussi pour cette suite de Dungeon Crawler Card Crawl. Cardsy est disponible gratuitement mais vous pouvez dépenser 3€ pour passer les timers des coffres et obtenir le jeu symboliquement. D'ailleurs, la team Mobi.gg vous recommande fortement de donner leur chance aux différents TCG sur mobile qui pourront occuper votre temps et renouveler l'expérience assez facilement grâce aux variations de deck. Je pense notamment à des titres comme Bridge Wanderers qui ont tout à fait leur place sur votre téléphone. À la 7ème place, c'est une exclusivité Netflix. L'éditeur américain nous propose cette fois-ci un retour dans le temps avec Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Dans ce beat'em up coloré inspiré des années 80, incarnez vos tortues ninja préférées ou leurs amis pour déjouer le plan machiavélique de Krang et Shredder. Chaque héros possède des caractéristiques de portée, de vitesse et de puissance, alors pensez à bien le choisir en fonction de votre style de jeu préféré. Sortez de vos égouts pour effectuer des tonnes de combos bien animés qui rendent les combats très fluides. Pour les plus nostalgiques, un mode arcade est disponible avec des vies limitées et l'impossibilité de sauvegarder votre progression. Ça me rappelle ces bons vieux roguelites punitifs. Je vous conseille quand même d'y jouer à la manette pour une meilleure expérience de jeu.
À une place du top 5, on retrouve Reigns, l'un de mes jeux de stratégie narrative préférés. Les différents opus de la série proposent des thèmes allant du règne d'un simple roi jusqu'à l'univers de Game of Thrones. À travers un gameplay simple et intuitif, vous devrez swiper à gauche ou à droite pour prendre des décisions importantes. Dans Reigns, tout est question de décision, alors vous devrez anticiper toutes les conséquences de vos choix pour maintenir votre royaume en état. La version Three Kingdoms, disponible sur Netflix, vous propose un système de combat inédit à la licence pour varier la stratégie in-game et vous pourrez même jouer contre d'autres joueurs de manière compétitive. Vous aurez également accès à différentes quêtes annexes au cas où vous finiriez par vous lasser de la quête principale. En bref, Reigns, c'est un gameplay innovant, avec une histoire originale et très complexe, le tout à consommer sans modération. Conclusion, découvrez toute la série des jeux Reigns en premium sur mobile ou penchez plutôt pour son dernier jeu en date disponible sans frais si vous êtes abonné à Netflix. Et si vous n'avez pas un seul centime à dépenser, l'alternative gratuite avec le même gameplay s'appelle Laps, je vous recommande également de le tester. Jeu de glisse en soundboarding, Altos Odyssey surfe jusqu'au top 5. Il vous entraîne dans un désert inexploré, des temples mystérieux et des canyons de différents biomes. Récoltez des points, réalisez des combos, échappez à vos poursuivants et apprenez à maîtriser vos glissades comme personne avec un contrôle ultra simple. L'aventure est jouable avec 6 personnages aux compétences différentes et se rejoue facilement de temps en temps avec le mode zen, sans points, sans distraction, juste de la glisse dans le désert pour vous détendre. Altos Odyssey est gratuit et il est même disponible dans le Play Pass avec toutes ses options. Le jeu indé Odmar a beaucoup trop tapé dans l'œil de notre rédac chef pour ne pas figurer dans ce top. C'est un platformer 2D qui rappellera la série des Rayman aux plus nostalgiques d'entre vous. Dans Odmar, vous incarnez le protagoniste du même nom, un viking qui devra sauver la forêt de son peuple grâce au pouvoir accordé par une fée. Parcourez les mondes et leurs différents niveaux, découvrez de nouvelles mécaniques et affrontez des boss très réussis avec une bonne dose de challenge. On a adoré sa DA mignonne et colorée, ses jolies cinématiques et son gameplay agréable et précis. Le premier niveau du jeu est gratuit, mais vous devrez débourser un peu moins de 4€ pour débloquer les autres mondes. Premier compétiteur à monter sur une marche du podium, Gris est un petit bijou de poésie incontournable. Il doit son nom à Gris, une jeune femme qui voyage dans son propre monde intérieur, modelée par ses émotions difficiles et son chagrin. Elle porte une robe avec des capacités pour affecter le monde autour d'elle dans des phases d'exploration douce, de platforming et d'énigmes simples et agréables. Gris propose une atmosphère très spéciale, sans aucune mort, portée par une bande-son immersive. Mais attention, si vous êtes du genre à vivre des tsunamis d'émotions, Gris ne laisse clairement pas les gens indifférents, même pour 5,50€. En deuxième position, c'est Monument Valley qui se hisse près du but. C'est vraiment l'idéal sur mobile et hors connexion. Monument Valley est une série de 2 jeux sur mobile, chacun au prix de 3€, qui vaut largement votre temps et un peu de votre argent. Évoluez dans des niveaux à la géométrie impossible, menés par la princesse silencieuse au bout de chaque chemin en manipulant le monde qui l'entoure. Marchez au plafond, déformez les routes, alignez des éléments incroyables dans le vide et créez toujours plus de plateformes pour lever le voile sur le mystère de Monument Valley avec ses corbeaux et son totem. Les puzzles sont bien pensés, la DA est juste magnifique et vous passerez plusieurs excellentes heures à tout découvrir dans un univers que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Premier de ce top des meilleurs jeux hors connexion pour la 2ème édition consécutive, Dead Cells est un roguelite Metroidvania Premium made in France. Le jeu cumule un univers immersif, des animations splendides en pixel art et un sacré niveau de challenge. S'il vous faut une bonne raison de l'essayer, il ne coûte que 5€ et profite de DLC et d'extensions de contenu majeur comme son boss rush. Plongez dans les enfers avec de nouvelles armes, de nouveaux ennemis et la possibilité d'avoir un animal de compagnie pour vous accompagner dans votre voyage au cœur des ténèbres. Et voilà, c'est la fin de ce top des meilleurs jeux hors connexion sur mobile, j'espère qu'il vous aura plu, et comme d'habitude si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo, et bien sûr de vous abonner à la chaîne. Salut !